partagée parce qu'elle m'a permis de fixer un certain nombre d'orientations pour le futur de l'Africa Sport, notamment en ce qui concerne l'organisation des sportifs. C'est une question qui a été longuement exposée, débattue. Aujourd'hui, nous avons apporté des solutions. J'espère que désormais, nos supporters seront tranquilles et libres pour nous accompagner dans notre démarche. Vous avez trouvé un geste, un acte fort aujourd'hui, en disant que pendant la mer, écoutez, depuis que je suis arrivé à l'Africa, sachant les problèmes qu'il y avait, je me suis décidé de tendre la main. Et je le ferai toujours, parce que nous sommes dans un environnement, il n'y a que ça à faire. Dans le sport, il n'y a que l'amitié à développer, il n'y a que l'entente à développer, on n'a pas autre chose à faire. Je veux dire que si on fait le contraire dans un environnement sportif, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Et je veux que les gens comprennent que le sport est fait pour qu'on soit ensemble. Pourquoi on crée la joie? Le sport a fait pour ça, c'est pas fait pour le show. Donc je le ferai toujours. Je dis que quand on dit non, je crois avoir l'expérience de penser que j'ai dit non parce que c'est pas bon. Je ne dis pas non pour sanctionner quelqu'un. S'ils l'ont compris, c'est tant mieux, mais je serai là pour leur tenir. C'est clair, ces personnes qui sont là, c'est elle-même qui est là aujourd'hui. L'année prochaine, c'est forcément cette ligne-là que tout le monde veut aujourd'hui. Bon. Écoutez, je crois que je suis le premier à vouloir être en Ligue 1. Je l'ai souhaité depuis, je pensais qu'on allait même y être plutôt. Mais après, c'est une question de destin. On n'y est pas. Pas grave, ça veut dire qu'on a un certain nombre de mouvements, on a un certain nombre de choses à parfaire. Nous allons nous évertuer à les parfaire. Que demain, nous serons en Ligue 1. Mais moi, j'ai bon espoir que nous allons y arriver dans tous les cas, parce que je vois la façon dont nous progressons. Je vois la façon dont autour de nous arrivent des personnes aux ressources beaucoup plus à même de nous apporter à avoir ces résultats. Votre prochain rendez-vous avec la RMC? Alors, officiellement, ce sont à l'occasion des assemblées. Donc, s'il y a l'opportunité demain, pour une raison ou pour une autre, de créer une assemblée, on la fera. Mais nous allons trouver les moyens de rencontrer d'abord les associations de supporters, bien échanger sur les objectifs, sur les nouvelles habitudes qu'il faut avoir. Parce que je crois que les malentendus sont souvent dus au fait qu'il n'y a jamais eu de change sur les rapports entre les supporters et leur organisation. Désormais, c'est fait, mais il faudra encore du temps que la chose soit huilée. J'ai donc promis de rencontrer les associations des supporters pour qu'ensemble on discute de la façon dont nous devrons demain travailler. Merci bien.